Un nom d'un chien, nom d'un chien, nom d'un chien! Mais ils se foutent de moi! Ils se foutent de moi! Je mets sur pied un plan ultra secret, rationnel, calculé, sûr, génial en un mot. Je mets en œuvre des moyens monstrueux et on me calote mon objectif, sous le nez et hop là, passé muscade! Une usine de 8 bâtiments, 13 hectares, plusieurs dizaines de tonnes, enlevées, évanouies, balayées, évaporées. Ah non mais, est-ce que c'est bientôt fini de se payer ma gueule? Je suis fouvron, moi! Et vous là, vous Black, White, Mademoiselle Fiotte, bande d'inutiles, phase de raté, qu'est-ce que vous avez à me regarder? On vous l'a fauché, à vous aussi l'usine, hein? On a bonne mine, tiens. Ils sont jolis, les polichinelles. Quel désastre, mes enfants, quel désastre. Allons, Fouvreau. Allons, vous laissez pas aller, mon vieux. Patron, ça va s'arranger. S'arranger, comment? La chance va tourner. Ouais, je demande à voir. Allez, allez, réagissez. Monsieur Fouvreau! Qu'y a-t-il, Carcapoil? Monsieur Fouvreau, on vient de trouver un homme de la bande. Il a l'air bien mal en point. Venez, Fouvreau, allez. Venez. Oh. Tenez, monsieur Fouvreau, le voilà. Oh, bon sang! Mais c'est Brochu! Qu'est-ce qui ne va pas, cher monsieur Brochu? J'ai mangé du poudre et légumes. Bah alors, c'est pas du poison? J'ai avalé les petites billes vertes, toutes sèches. Comme ça, hop! Et après? Ben, c'était pas. C'était pas des petits pois! Et alors qu'est-ce que c'était? Des choux! Des choux! Alors j'ai bu! Ça les a fait gonfler! Oh là là! Mais qu'est-ce qui va arriver? Ils grossissent! Ils grossissent, ils vont! Ils vont reprendre leur taille normale! Il y en a 12 ou 15! Il faudra appeler un médecin, mais... pas avant qu'il ait parlé! Non, 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 le médecin d'abord! D'abord les aveux! Mais Fouvreau, ce type souffre. M'en fous! Moi aussi je souffre. Mon orgueil est aussi mal en point que son estomac. Oh pitié! Mais ça gonfle! Ça gonfle! Écoutez-moi, Brochu. Je veux savoir. Vous n'obtiendrez rien de moi tant que vous n'aurez pas tout dit. Vous êtes monstrueux, Fouvreau. C'est la guerre, monsieur Black. Écoutez, écoutez. Sur la tête de ma femme que j'aime, je vous jure que je dirai tout. Tout! Mais après! Le médecin est là, monsieur Fouvreau, avec son assistant. D'accord, qu'il rentre. Oh, oh, merci. Ah. Merci. Le chic, Fouvreau. Bravo, mon vieux. Ah, docteur, soulagez mon malade. Et vite, il a des tas de choses à me raconter. Passons à côté, messieurs. Ah, ah, oh, vite, docteur, vite. N'importe quoi, mais guérissez-moi. Comptez sur moi, monsieur Brochu. Je vais faire quelque chose, mais pas n'importe quoi. Ah, ah, mon Dieu. Claque-buf. C'est pas vrai! Grognage la fringue. Voilà, monsieur, le feu claque. Non, non, mais non, vous n'allez pas! Vous souffrez, Brochu. Vous avez brouté trop de choux. Non, non, pas ça! Sans douleur! Une petite bulle d'air dans une veine. Ça remonte jusqu'au cœur et toc, embolie. Au secours! Ah, ah! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et pourquoi pas nous aider financièrement ?